Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, présentation d'album acheté récemment. Là, je vais me répéter parce que c'est un peu compliqué. J'ai fait une vidéo rapide hier soir pour essayer de tester quelque chose pour des problèmes apparemment techniques, mais que j'ai résolu entre-temps parce que ce n'était pas du tout un problème technique. Donc voilà, j'enregistre le milieu de la vidéo hier et puis ce matin. Le début et la fin. Donc voilà, hein, c'est un petit peu bizarre, mais je ne me cache pas derrière un montage hyper chiadé, hein, pour bluffer tout le monde. Bon, bref, allez, on continue. Je ne sais plus dans quel sens ça va arriver, mais c'est parti. Allez, présentation. Présentation d'album acheté récemment. Donc je vous présente celui-là. Je viens de faire une vidéo dont vous allez pouvoir la regarder. J'ai vu le loup. Véronique Chalot, c'est un album qui est sorti en 79 sur un label italien. Et là, c'est une réédition de 2022 sur Bonfire Records. C'est un album, un très bel album de folk médiéval, hein, un petit peu new age, un petit peu sombre, avec des chansons au texte assez, comment dire, oui, on va dire assez sombre et même parfois violent, hein. Par exemple, il y avait une chanson qui s'appelle La Mot Mariée, La Mot Mariée, hein, qui est une chanson traditionnelle de Picardie et qui a été arrangée par Véronique Chalot et qui raconte le mariage assez terrible d'une jeune femme, puisque son mari va jeter son bébé au chien, que à la fin, malheureusement, elle meurt, suicide, meurtre. Hein, voilà. Chanson originaire du Moyen-Âge et pas forcément réjouissante. L'autre album que je voulais vous montrer, voilà. Cold Moon, Alléla Diane. Alors, c'est un album qui est sorti en 2015, hein, sur le label en France, sur le label Piass. Hein, très bel album de folk. Hein, avec la voix d'Alléla Diane, toujours très belle. Hein, et puis la guitare acoustique le plus souvent de Ryan Francesconi. Très très bel album de folk. Alors là, c'est pareil, une tuerie. J'ai fait une vidéo aussi, hein, donc vous allez pouvoir la regarder. Alors, Getache Mekoria avec The Ex and Guest. Alors, Getache Mekoria, c'est un saxophoniste d'origine éthiopienne. C'est un des musiciens éthiopiens les plus connus. Et là, il a enregistré un album. Alors, l'album date de 2006, peut-être même avant. Ça, c'est une réédition de 2006. Avec un groupe néerlandais qui s'appelle The Ex, qui est un des plus grand groupe de punk anarchiste néerlandais, enfin européen, et qui a tâté du punk et puis de la noise et puis de la musique africaine, de la musique des Balkans, c'est-à-dire avec une très très grande ouverture d'esprit. Et ça donne un album d'une puissance incroyable, incroyable, hein, cette fusion entre les sons éthiopiens du saxophoniste et la furia un petit peu punk est absolument géniale. Autre album que je voulais vous présenter, alors là c'est une petite trouvaille à ma ressourcerie, paru sur le label Talitre, label bordelais très connu, qui une fois par an envoie des CD à différentes ressourceries, à une espèce de déstockage. Donc là, le jour où je suis allé à ma ressourcerie, j'ai vu les CD, j'en ai pas pris, je les avais déjà tous pris les années d'avant. Et puis, hop, du coin de l'œil, je remarque sur une étagère, sur un meuble, une pile de disques, il y en avait neuf, neuf albums vinyles du label Talitre, neuf, hein, neuf et neuf. C'est-à-dire qu'ils étaient encore scellés, vous avez le cellophane, je l'ai ouvert. Hein. Là, Leish, Pendulum Swing, c'est un album de pop folk, folk indépendant, rock indépendant, anglais. Hein, Leish, c'est le groupe de cet artiste qui est un songwriter. Alors, son nom
Ou son prénom m'échappe, je vais vous le dire de suite si j'arrive à le trouver. Il s'appelle Green quelque chose, mais j'ai un trou de mémoire. Bon, enfin bon, c'est pas bien grave. Je vais le trouver. Alors, et si je le trouve pas, alors voilà, Danny Green, guitariste et chanteur, qui est le songwriter de ce groupe. Et c'est plutôt très sympa, très agréable. Il y a un petit côté Nick Drake, mais peut-être en moins sombre, hein, en moins désespéré. Mais voilà, c'est très très sympa. Et puis, ben, dans le même tas, il y avait cet album Maison Neuve. L'album s'appelle Johan, toujours Talitre, et c'est sorti en 2011. Et là, c'est du rock. C'est un groupe originaire de Paris, un groupe français, et c'est du très très bon rock. Alors, il y a deux titres qui sont chantés en français, le reste c'est chanté en anglais. C'est Au large de la ville et L'attraction terrestre. C'est peut-être les moins prenants, mais voilà, ça s'écoute vraiment très très bien et c'est vraiment très très sympa. Alors, pour la petite histoire, il y avait donc 9 albums, plusieurs doubles malheureusement, dont au moins un que j'avais déjà en vinyle. Donc, ce que j'ai fait, ben, je les ai amenés à un copain, Julien, qui est disquaire itinérant de son état. Sur les 9, je lui en ai donné 5. J'en ai gardé 2 pour moi. Je viens de vous les montrer. J'en ai donné 2 à un de mes cousins, Fabrice. Salut Fabrice. Puisque autant en faire profiter. Hein. Il m'avait coûté. Alors, les disques étaient à 1 euro pièce. J'en ai pris 10 en tout. 9. Du label Talit plus un autre que je vais vous montrer après, mais celui-là je n'ai pas encore eu le temps de l'écouter, pris le temps de l'écouter, donc je vous le montrerai en dernier. Ce qui m'a fait les 10 albums à 5 euros, hein, pas mal, hein. Donc voilà, et donc je suis allé chez le copain Julien, et puis on a fait un échange, je lui ai donné les 5 albums que je ne gardais pas, donc au moins 3 étaient en double, et puis en échange j'ai pris cette pépite de John Cale, Helen of Troy. Alors c'est un album qui date je ne sais plus de quand, pop, 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 est-ce que c'est marqué quelque part, j'en sais rien, avec Chris Spelling, avec Pat Donaldson, avec Timmy Donald, et puis ça c'est les musiciens qu'on voit, et puis ils sont crédités mais ils sont pas en photo, hein. Il y a Brian Eno au synthétiseur, et puis un certain Phil Collins à la batterie. Voilà, et c'est un superbe album de John Cale. Hein. Je le place au même niveau que Paris 1919 ou un autre album dont le titre m'échappe maintenant. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'est très très bon, c'est très très bon. Il y a un côté un peu expérimental par moment. Enfin, c'est absolument, absolument génial. Et puis pour faire le complément, hein, avoir les 10 albums et ne payer que 5 euros, puisque c'est des tarifs dégressifs, hein, ça fait 50 centimes l'album. Hein. J'ai pris cet album, Roger Mason, c'est du folk. L'album s'appelle, alors, je ne suis pas dans le bon sens, Le blues de la poisse. C'est paru sur Le Champ du Monde, ça date de. Bon, c'est pareil, il n'y a pas la date. Enfin, je m'en souviens pas. Je ne l'ai pas encore écouté, donc je pense que c'est très folk. Hein. Voilà, Le Champ du Monde, il n'y a pas la date. Bon, ça date des années 70, hein, de toute façon. Hein. Un trifold, comme souvent au Champ du Monde. Et c'est sûrement très très bon. Enfin, à mon avis, ça ne peut être que très très bon. Roger Mason est un guitariste, hein, et compositeur. Hein. Il a composé la bonne partie des titres. Hein, mais on trouve du Bill Big Bronzy, adapté par Roger Mason. On trouve un titre de Woody Guthrie, qu'il a traduit en français par le blues de la méchanceté. Hein. Voilà, donc c'est excellent et je suis très content de ces derniers achats. J'en aurai d'autres à vous montrer, mais ça sera pour plus tard. Voilà, bah écoutez, je vous Bon, laisse, je je vous dis à reprends, tout. je fais une petite pause entre-temps. Donc j'étais en train de vous dire que je vous laissais et j'allais dire pas d'extrait ni quoi que ce soit, mais entre-temps j'ai quand même pris le temps justement d'écouter ce Roger Mason. Roger Mason, compositeur, guitariste américain, mais vivant en France. Hein. Et c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Vraiment très sympa. Du bon folk, du bon blues. Un côté cajun dans la façon de chanter, dans les textes. Voilà, donc c'est
C'est vraiment sympa. C'est vraiment très très sympa. Donc, ce que je vais faire, hein, parce que j'avais aussi dit, mais j'ai coupé la vidéo, hein, que j'allais pas mettre d'extrait et pas de petites vignettes. Hein, mais si, je vais mettre des petites vignettes. Et puis, je vais vous faire un petit zapping, hein, de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 albums que je suis plutôt content d'avoir ajoutés à ma collection avec quand même celui-là. Qui est clairement au-dessus du lot. Et puis, celui-là qui est une merveille. Voilà. Hein. Mais pour ces deux-là, pour ça que je vous les remontre, hein, ben vous avez eu droit, avant cette vidéo, à deux petites vidéos déballage avec des extraits. Et vous savez déjà ce que j'en pense. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt cette fois pour de nouvelles aventures et de nouvelles présentations d'albums. Allez, bye bye. Change. Extrait. Bien mes amis, je vais vous raconter quel homme de poisse je suis. Vous savez, je suis né dans la poisse, je suis né le dernier mois de l'année, dernière semaine du mois, dernier jour de la semaine, dernière heure de la journée, dernière minute de l'heure, dernière seconde de la minute. À vous dire vrai, pour un peu, je n'arrive plus. Something left behind.